Et yo les potes, c'est Daco, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur My Hero Ultra Rumble, la deuxième de la journée parce que ce matin, j'ai eu beaucoup de chance sur le compte PC. J'ai eu le droit au nouveau dhabi, le dhabi rouge du coup. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que fait le personnage. Je vais aller faire une vraie game et on va voir si on peut faire top 1. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. La team My Hero Ultra Rumble, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus et puis c'est parti. Donc on est parti pour tester le nouveau dhabi rouge sur cette map que je connais un petit peu plus déjà. Il y a un petit peu moins de hauteur, donc ce sera un peu plus simple. J'ai déjà joué avec le personnage là à droite. Elle joue vraiment super bien son perso, donc j'ai hâte de voir comment va se passer la game. Attendez, je peux déplacer le... Qui savait qu'on pouvait faire ça? Je viens de découvrir une nouvelle option. Bon, il y a une équipe, je suis en bas, je me suis pas mis en haut exprès parce que bah, le personnage ne peut pas taper d'en haut et il ne peut pas taper les ennemis dans les airs. Donc ça va être assez compliqué, j'espère que mes mecs vont descendre assez rapidement. On va voir comment ça se passe. Moi je vais prendre ça pour compenser l'alter Y. Ok, bah il est déjà KO, le Midoriya. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Ok. Ok, ok, bah. Ok. On a mis des dégâts. 59. J'essaie d'esquiver. Je les grabe. Hop. Ça va pas suffire. Et je vais pas pouvoir le toucher. Parce que dans les airs, c'est pas possible. Je l'ai mis KO. Parfait. Je vais activer mon action spéciale. Et crois-moi, je vais te finir. 50, 100, 150, 200, 250. Il lui en manque un. J'essaie de le finir comme ça. Donc ils sont en train de se fight. Voilà. Donc j'ai plus d'action spéciale, mais on a toujours celle de Ibarra. Je ne me rappelais son nom. Donc c'est parfait. On a réussi à gagner le premier fight. Bravo elle. Hein. Elle a super bien géré parce que Midoriya était KO direct. Elle l'a revive. Donc honnêtement, c'est un beau travail. 400 dégâts sur le Bakugo, pourquoi pas. Je vais activer ça vite fait. Je vais activer mon alter Y. Pendant qu'il y a le truc. Je vais en prendre un. Ok. Et je vais boire surtout. Oh là, attention, faut que je prenne tout. Est-ce qu'il y a un ennemi? Ok, je vais activer ça. Et on va pouvoir boire. Qu'est-ce que j'ai ramassé? J'ai ramassé du shield. Ok, je me remets ma popo. Et là c'est bon, je peux aller fight. Je vais quand même prendre les popos parce que souvent il manque des potions. Maintenant que les gens ils jouent les tops, étant donné que les dégâts rapportent plus rien. Et on va suivre la petite Ibarra. Ok, le Midoriya il a pas mal de mobilité. Là ça va être sur les toits. Ça va être très compliqué pour moi. Et Ibarra, hein. Ibarra aussi il a le même souci. Elle vient d'utiliser une aptitude bleue que je n'ai pas, je crois. Et du coup, on va enlever un petit peu de ça. Là, en vrai, la potion de vie, j'aurais dû la garder, là. Oh là là, 3. Ok, donc hop. Ok, l'alter A au level 9. Ça met bien, il reste encore 8 équipes. Donc on a le temps, on n'est pas trop pressé. Je vais essayer de jouer avec mes camarades, même si je suis en aléatoire, parce que ça reste quand même le but. Alors, en haut, il y a un petit bug. Hein. En haut, des fois, ça ne se propage pas. Du coup, j'aimerais bien rester en bas des bâtiments, tout simplement. C'est un peu plus simple pour fight. Et on va regarder, hein. Là-bas, là, il y a du monde, je vais essayer de leur ping. Donc, la petite particularité de ce dhabi, c'est le backstab. Parce qu'en gros, vous faites ça, normalement, c'est censé toucher. J'ai tout raté, 74. Ok. 74, une fois. Je vais essayer de recharger, j'y vais. Je l'ai raté. Ça n'a pas touché, en plus. Il y a le mur qui me gêne, les voitures, maintenant. Ok, j'active mon alter Y pour boost. 88. Oh, ils m'ont fait mal à deux. Hein. J'ai réussi à break aussi. Alors, est-ce que je peux prendre une petite potion? Ok, j'ai l'impression que oui. Oh là, non. Ok, je l'ai mis KO. Et là, alter Y qui proc en plus, donc pas mal. Par contre, il y a la zone, il y a pas mal de trucs. Je vais essayer de prendre une petite potion. Ils ont tout ramassé, hein, donc je vais juste prendre la potion tranquillement. Ça va me remettre bien. Je vais essayer de garder l'aptitude, je pense. Ok. Allez. On a déjà mis le dégât. Il reste 6 équipes. On est plutôt bien. J'ai déjà mes alters level 9. Donc ça permet de voir au level max ce que ça fait. Ça augmente surtout la largeur. Hein. C'est les dégâts et la largeur. Donc là, je vais charger. Ok, il est là. Il est où là? Il est là. Ils peuvent casser ça ou pas? Il faut combien de coups pour le casser avec Dhabi? Ça marche pas ou quoi? Je sais pas où il est là. Je tape un peu dans le vide. Hein. Je vous cache pas. Il est parti, je crois qu'il l'a déjà mis KO. Pourtant, j'ai pas entendu le bruit du KO. Bah écoutez, tant mieux. Hein. Ok, c'est. Il vient d'avoir le bruit, je passe level 6. Ce qui est dommage aussi, c'est le coup de pied. Le coup de pied de Dhabi lui donne pas de dégâts. Alors. Ok, KO. Donc elle a bien joué.
Je vais essayer de la cover. Ouais, derrière, il y a le Shigaraki. Hop. KO. Parfait. Donc, vous avez vu la largeur au level 9. C'est pour ça que je trouve que ça va être un super perso à la manette. Attendez, le Midoriya, il va essayer de le prendre. Attention. Je vais activer mon alter Y. 88. Break. Je les grabe, lui. Allez. Attention. 88. L'alter Y qui m'a sauvé. Oh là là, ça m'a mis bien. Par contre, là, ça va être chaud contre Endeavor. Je vais essayer de me repositionner. Je vais me prendre une petite potion. Ah, j'aurais pas le temps à cause de la zone. Est-ce que là, j'ai le temps, là? Je pense que ouais. Il m'a pas vu en plus. Allez, allez. De toute façon, elle va pouvoir me réa au pire si je tombe. Va falloir que j'active ça. Après, le Midoriya, il peut la porter. Hein. Il va falloir que je les aide, mais bon. Voilà. Là, si ça peut le faire reculer un petit peu. Il est où? Ok, ils sont là. Il a mis deux rochers pour se protéger, c'est pas mal. Hein. Là-bas, ça arrive, là. Allez, tombe. Descends en bas. Voilà, KO. Avec la largeur du spell. J'active mon alter Y. Bon, la zone, elle va le finir. Je vais le laisser tranquille. Je vais charger. Allez. Ça va être là. 84. 84 deux fois. J'active. Ah wesh. Ça va pas proc. Allez. Je les grabe. Il a plus ultra malheureusement. Je vais essayer de me repositionner. Ok. Je vais le tempo. Va falloir que j'aille vers là. Plus vers là même. Est-ce qu'elle va me poursuivre? J'ai l'impression que oui. Hein. Allez, s'il te plaît. Je vais avoir le proc de mon alter Y en plus bientôt. J'ai un PV. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est chaud. 88. J'ai le proc qui va nous protéger quelques secondes. 70. Elle est où là? J'ai le temps de me reprendre une petite potion pour tempo. Hop. On sait jamais, hein, ça peut jouer à ça. 70. Ambourine, elle la grabe. Je vais charger pour voir un peu où ils sont. Ils ont l'air d'être là. 70 dans la vie. Donc là, je suis plutôt bien positionné parce que je suis sur le côté. Par contre, j'ai plus de munitions. Ils l'ont mis KO. Là-bas, il y a la... Comment elle s'appelle? Momo. Et là, il y a le All Might. 70. Ok, elle était là, la Momo, non? Ok, non. Je vais recharger un petit peu mes munitions tranquillement. La montagne, c'est pas une zone que je favorise. J'ai pas réussi à la grab avec mon alter B. Ok. Je vais profiter pour remettre une petite potion. Ils sont en 2 contre 1 dans tous les cas. Ok. Donc elle est là. Je spam. Ok, elle a plus ultra. Donc elle a re ses alters. J'ai l'impression que je touche pas là. Ok. C'était pas une impression. Hein. Attention, je vais me remettre de la potion. Elle est où? Elle est là. Elle a fait mal, hein. Elle a fait mal en plus ultra. Et attention All Might. Je vais le grab. Allez, viens là. Hop. Ah, il m'a touché. 70. Ok, je les break aussi. Est-ce que je peux boire une potion ou pas? Dans tous les cas, j'ai encore ma réa hein, sur mon action spéciale. On a encore la réa d'Ibarra. La gamme, elle est serrée. C'est la pire zone pour le Dabi parce que je peux pas faire des dégâts aux ennemis qui sont en haut. Et je peux pas taper des ennemis qui... je peux pas taper dans les airs en fait. Du coup c'est assez chaud. T'as vraiment mes mates là qui doivent faire le café. Par exemple s'il y a le All Might là c'est fini quoi. Je peux rien faire. Donc on va prendre ça, des petites potions. On se remet de la vie tranquillement. J'activerai l'aptitude verte au moment d'activer l'alter Y. Mes petites gammes à 33200 avec le nouveau Dabi. Donc pour le moment c'est plutôt pas mal. Regardez, ok c'est un Shigaraki jaune en plus. L'horreur. Et il y a le daron. Il y a le daron, viens là papa. Oh là, 74. Allez, oh là, il est où? Il est là. Je vais le grab. Allez, viens là. Ok, il est KO, parfait. J'active l'alter Y. Je vais le finir parce qu'on sait jamais. Allez, viens là. Ok, ils l'ont brûlé. Et je pense que c'était le dernier. Hein.
Je pense que c'était le dernier, 3005. Et petit top 1 avec le Derby Rouge, franchement, ça fait super plaisir. La game a été serrée, il s'est passé beaucoup d'actions en tout cas. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura encore du My Hero Ultra Rumble, mais bon, maintenant ce sera sur console, sur PlayStation. N'hésitez pas à mettre vos pseudos pour que je vous ajoute. Je compte sur vous, la team My Hero Ultra Rumble, pour fracasser les pouces bleus. Et puis nous, y à très bientôt pour la prochaine vidéo, les potes. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You